Dans cette section, philosophe Jacques Rancière talks about the relationship between politics, art and cinema. Le cinéma a une fond place euh, bon extrêmement ambiguë euh, dans le dans le régime esthétique de l'art euh, bon le cinéma, comme on sait, au départ, bon, ce n'est pas un art, c'est une sorte de, de divertissement populaire et de curiosité scientifique à la fois. Quoi. Et justement, parce que ce n'était pas un art, parce que ce n'était pas normé par les règles de l'art, ça apparaissait euh, du même coup pouvoir, au fond, remplir la fonction d'un art absolument nouveau, radicalement nouveau. Bon, C'est ce que déclare un cinéaste comme Jean Epstein en 1921, dans ce texte qui s'appelle euh, Bonjour euh, cinéma, où euh, bon, il a Bon, il déclare, maintenant, c'est fini. Euh, c'est fini, les histoires euh, à l'ancienne, avec des gens qui, euh, qui tombent amoureux, qui vont se marier ou pas se marier. Et bon, tout ça, ça n'a plus aucun intérêt, maintenant. Euh, L'art, ça va être font des événements sensibles. Ça va être possible, cette, cette nouvelle art des événements sensibles contre les histoires, contre la psychologie, contre les personnages, euh, parce qu'on a cette nouvelle machine qui font, enregistre, en quelque sorte, directement euh, font les, les vibrations sensibles. Bon, euh, Einstein a ces grandes formules pour dire que désormais, bon, euh, là, euh, disons, le ciel, disons, on aura l'amour aura sur l'écran du cinéma ce que, ce qu'il n'a jamais eu nulle part, à savoir sa juste dose d'ultraviolet, quoi. Voilà, bon, alors ça c'est quelque chose qui est très important, ce rêve du cinéma comme un nouvel art de la, euh, de la lumière et du, et du mouvement qui allait balayer tout, fond, le, le vieillard du roman, du théâtre, les vieilles représentations euh, bon, bourgeoises, psychologiques et autres. Alors, euh, bien évidemment, le, le cinéma n'a pas fait ça, le cinéma a fait quelque chose de tout à fait différent et en un sens contradictoire, puisque euh, à l'époque, malgré tout, il euh, y avait des gens comme... Euh, comme William Joyce comme Virginia Woolf qui bouleversaient bon complètement les, les formes du roman ben, le cinéma d'une certaine façon les a restaurées, bon, et surtout dans le cadre hollywoodien puisque bon, des choses comme la division en genre par exemple qui avait justement disparu depuis l'âge de Flaubert de la littérature se retrouvaient au cinéma. Alors à partir de là, on a euh, des gens qui qui se lamentent sur la dégénérescence du cinéma, qui pense qu'il aurait dû être le grand art du XXe siècle, qu'il l'a pas été, qui s'est fait, euh, qui s'est fait finalement euh, avoir par l'industrie le, hollywoodienne, les exigences économiques, bon et autres. Mais bon, j'ai essayé moi de penser ça autrement, c'est-à-dire que le cinéma est justement un art qui, un art ambigu, mais un art du régime esthétique précisément parce que c'est un art ambigu, parce que euh, bon, bon, de, c'est du divertissement. Et pourtant, bon, c'est un art. Et au fond, il y, a, il y a le cinéma est un art qui aussi remet en question cette opposition entre l'art d'un côté et le divertissement de l'autre. Et, et le régime esthétique de l'art dans son entier a été aussi consacré un petit peu à, 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 à l'effacement des frontières, bon, si on pense au rôle qu'on peut jouer dans, les, dans la nouveauté euh, esthétique, par exemple, là, toute une série de formes populaires, bon, le, euh, la pantomime, le cirque, le musico, le, euh, les affiches euh, et, bon, et beaucoup d'autres choses encore. Euh, bon, le cinéma s'inscrit dans, dans cette espèce de, je dire, de lignée euh, où, au fond, le, dire, le moderne euh, n'est non pas juste d'un isolement à la manière de Gr Clément Greenberg, mais au contraire, né d'une espèce de contamination permanente avec les avec les avec tous les genres dits populaires, avec les avec les formes d'art dits utilitaires, et au fond avec les formes d'expériences euh, euh, sensibles, formes pr euh, prosaïques. <laughs>